André Michel, qui lui-même est venu sous séance ça qui prévoit fête matin au niveau Sénat République. Là. André Michel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bob, même si je m'attendais lui. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour peuple haïtien, bonjour tout le monde qui attend des Radio Caraïbes matin, en Haïti, tant qu'à l'étranger, Port-au-Prince, tant qu'à la province. À vous commencer, bonjour. Oui, moi dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui attend des Radio Caraïbes matin. Moi, relais pour me dire trois bagages. Premier bagage, ma petite, c'est que dans nos secteurs démocratiques là, et nous voulons féliciter. Nous voulons féliciter. Sainte la Allô? Tortue, Sénateur bonjour, La Tortue. bonjour. Oui, Oh, pas parler en même. bonjour André, bonjour Guerrier. Oui, Bonjour pas pa parler en Guerrier, même temps, j'espère que sénateur, parce que on tout était souligne là ensemble, avec le combat continue. Oui, moi dis que, et premier bagage, nous voulons féliciter les peuples haïtiens qui, vendredi 20 septembre 2019, là, malgré la pluie, malgré l'orage, malgré la répression, nous prenons la rue dans tout le pays pour y être manifesté sous mot d'ordre, sous appel, toute partie politique, toute organisation, tout sénateur avec député qui signe alternative d'être ensemble pour rebâtir Haïti. Et l'éclair vendredi, dans Port-au-Prince, qui a empêché manifestation en sortie du soleil, manifestation a démarré dans Carrefour Aéroport avec des dizaines de milliers de monde, rivé Delma 32, la police crasée. Mais je dis à message la claire, peuple a validé alternative d'être ensemble, non? Je dis à pas gain route, pas bois, opposition a gain légitimité, peuple a adhéré à bataille opposition à là. Et nous féliciter, peuple haïtien, tout le monde qui te prend la rue dans tout le pays, nous félicitons. Oui, c'est sénateur Yuri Latortu, pas parler en même temps, puisque sous même ligne avec M. André Michel. Donc, ça va dire, va sortir en note, d'accord? Oui. Et la fin. Allô? Pour demander pour juste de paix au commissaire du gouvernement descendre dans le Parlement, je veux rappeler. Oui, M. André Michel? Allô? Allô? Aucun commissaire n'a pas le droit de dans le Parlement, dans l'occasion séance. Si ça fait, c'est empiéter sur les attributions du pouvoir législatif. Vous entendez, vous demandez pour la police dans le Parlement. Moi, c'est avocat en pile policier dans le pays. Je m'a rappelé la police. Lorsque policier, vous n'avez pas le droit d'obéir à un ordre manifestement illégal. La police n'a pas le droit de rentrer en dans le Parlement. La police n'a pas le droit de ça. Il y a sécurité pour le Parlement. Si la police rentre, quelqu'un provocation, il y a sénateur Mais blessé, il attendez y a Michel, sénateur qui prend mais balle, attendez Michel, la police a porté responsabilité. mais Et c'est attendez très important. Michel, mais attendez, vous n'entendez Oui. non. Est-ce que même sous demande du président Sénat, la police doit entrer dans le Sénat? Non. Le président du Sénat n'a pas le droit de faire violer le principe de l'inviolabilité du Parlement. Le Parlement n'appartient pas au président du Sénat. Le président du Sénat, c'est le premier parmi les égaux. C'est comme le bâtonnier parmi les avocats. Si pas bon, on doit que l'autre pas gagner. Attention, c'est pour plaisanterie. Et si un policier à l'entrée dans le bagage qui passait, ou pas de cas dit c'est l'autre baou, parce que le policier n'a pas le droit d'obéir à un ordre manifestement illégal. C'est la loi, c'est le principe. Maintenant, pour la séance de ce matin, m'a dit tout le monde, gagner notification, gagner note, car je la police connaît, peuple a rassemblé matin dans Carrefour Douarnenez, peuple a rassemblé dans Carrefour Aéroport, peuple a rassemblé Matissan Carrefour, peuple a rassemblé devant Saint-Jean Bosco, peuple a dirigé vers Place Constitution hein, pour descendre devant Parlement, pour aller bailler support politique nécessaire, support populaire nécessaire à sénateurs, opposition au matin, 7 D'accord. heures du matin, nous avons convoqué la population, il faut être sur place.
pour supporter nos sénateurs, parce que le combat est fini, hein, c'est le combat pour le respect de la Constitution, c'est bataille pour Jovenel Moïse, Alain, c'est bataille pour Procès Petro-Caribé, c'est bataille pour Conférence Nationale, c'est bataille pour changer condition de la vie du peuple-là, bataille Yoa, c'est bataille peuple-là, les sénateurs ne seront pas seuls aujourd'hui au Parlement, nous demandons le peuple-là accompagner ou supporter eux. La mobilisation doit continuer dans tout le pays jusqu'à ce que Jovenel Moïse allait, parce que Nek Kabrit-là n'a pas opposé à ce que le ratifié dans le Parlement aujourd'hui. D'accord, mais merci un peu, Maître André Michel. Merci un peu, tout le monde qui t'attendait, parce qu'elle a continué. Encore une fois, bonjour, sénateur Latour. Oui, merci un peu. D'après le regarder, c'est dans rejoindre le sénateur Yuri Latortu qui lui-même t'est souligné en même temps que Maître André Michel tout à l'heure, hein, mais qui t'a passé faire de l'autre activité qui t'a sorti en ordre. D'après le regarder, c'est rejoindre le sénateur Latortu. Allô, sénateur? Allô? Oui. Bonjour, sénateur Latortu. Tout à l'heure, vous êtes sous même ligne avec M. André Michel, mais semble que l'autre activité au TAPFEN est obligé de retirer en ordre. Dis-nous, non, vous semblez dans le Sénat déjà, non? Oui, l'arrivée dans le Sénat. Est-ce que M. André Michel en ligne? Oui, non, il y allait. Ah, OK. Mm-hmm. Salut, M. André Michel. Moi, salut, Guerrier, Bob, Jaonel. Et moi, j'ai fait qu'arriver dans le Sénat. Et vous êtes ça que l'homme t'a descendu dans plusieurs mondes qui t'a salué nous. Et nous pas te arriver qu'il y ait des conversations. Mais matin, nous t'ai appris hier que le président Sénat a convoqué conscience pour matin à 8 heures. Et c'est peut-être ça, nous venons totalement, nous venons signifier le matin que c'est ça n'a pas qu'à faire matin. Parce que nous gagnons tout document nous, qui prouve que le dossier de décharge de M. Michel se trouve devant la Cour de cassation. Et comme la décharge, c'est une pièce obligatoire que le Premier ministre doit avoir, nous signifions et nous avons le dossier qui est dans la Cour de cassation, que DGI fait une requête pour M. Michel, que bon pouvoir public qui fait une requête, et DGI répond, et DGI mandé pour Cour de cassation trancher à cet effet. Donc si dossier est en état devant la Cour, c'est la Cour de cassation qui doit prononcer un arrêt définitif concernant l'arrêt de quitus qui a été donné à M. Fritz-William Michel. Donc, nous signifier, Président, nous venons bonheur pour nous signifier, pour nous déballer tout document qui est devant la Cour. Et la Cour remettre nous un document que le dossier est en état devant la Cour. À partir de ce moment, nous signifier, eh bien, Président Sénat, que c'est un temps libre parce que légalement, le Premier ministre n'a pas de décharge. Donc c'est ça seulement de gagner comme dossier que nous signifions à président Sénat ou bien de l'autre exigence que nous remettons, par exemple un dossier firme ça, ou c'est pas Léa qui sont cadres là, est-ce que un document écrit comme ça tout que nous remettons à président Sénat? Non, dossier firme là, et nous croyons que nous gagnons document pour nous remettre en rapport de en rapport. En gros, nous t'ai écrit que nous t'ai dit, eh bien, mieux vaut que tu aies un rapport là. Eh bien, président, il n'y a pas ton rapport là. Eh bien, il est programmé séance là. Mais étant donné que nous avons l'autre dossier légal, hein, nous mettons dossier ça, nous signifions, puisque dossier enquête là, l'Italie sur la question de la corruption, mais dossier ça que nous baillons là, sont dossiers qui, justement, eh bien, empêcher Fritz-William Michel, Premier ministre, parce qu'il est dit, pour être Premier ministre, il faut, et parmi les conditions, il a dit avoir reçu des charges si vous avez été comptable des deniers publics. Et je dis à dossier ça, lit devant la Cour de cassation, et c'est DGI qui représentait le Premier ministre nommé, qui lui-même font requête à la Cour de cassation, qui mandait pour y statuer en faveur de M. Michel, qui mandait pour que la Cour de cassation rende un verdict. Et si avocat M. Michel, là, qui représente l'État haïtien comme le Premier ministre, eh bien, lui mandait pour rendre un verdict, moi, parce que il faut attendre. Et c'est pour ça, nous disons, pile dossier. Il y a un dossier, non seulement de ça nous parler, de dossier Noël, communément dossier Kabrit là, il y a un dossier tout côté, il y a pile pièce de ministre, c'est le 6 septembre,
yo vin depose yo an dan Sénat. C'est-à-dire, ministre yo, yo te passé nan chambre député a, sa yo pat gen piès sa yo. Donc, nous va recevoir piès sa yo de chambre député, nous recevoir yo de, eh bien, et intéressé à lui-même, qui vin depose yo. Donc, dans ce temps-là, nous pensons que, eh bien, il y a même 4 ou 5 dossiers. Mais nous étions à Yon, puisque son dossier d'ordre public que lié, dès que le premier ministre n'a pas de décharge, eh bien, il n'y a pas qu'à faire séance. Et ceci n'est pas une question de vote, ceci c'est une question de droit. Et sur la question de droit, il n'y a pas de vote. Hein? C'est la question de droit appelle au respect de la loi. Et c'est dans ce sens-là, nous devons, nous-mêmes, étant donné que tout ce qui nous dirige, c'est la loi, nous devons bonheur, porter eh bien signification ça, et n'a pas à tout sénateur copie, n'a pas président copie, membre bureau copie, afin que nul n'en ignore, et que si on m'a laissé faire séance là, c'est pas prétexte pour y prendre, pour y aller faire séance, pour y dire que séance là est possible. Impossibilité séance là, li vini surtout dans le fait que premier ministre a pas gain de charge. Donc moi t'a remet averti ni communauté nationale ni internationale que signification a été donnée et que il y a un empêchement constitutionnel pour le premier ministre fils William Michel et c'est dans ce sens ça que nous-mêmes nous déposer document. D'accord. Bon, retourner sur question des charges là, qui ça nous constaté comme anomalie dans un dossier ça. Voilà. Eh bien, la Cour des comptes, littéralement, ont arrêt de quitus pour M. Fritz William Michel. Quitus, c'est-à-dire, littéralement, ont arrêt que liquide, que vraiment l'administration était correcte. Eh bien, le que y aura un arrêt dans la Cour des comptes, il est passible pour voir à la Cour de cassation. C'est-à-dire que, et au cas fait pourvoi, au cas fait recours dans la Cour de cassation. Et en ce sens, gagner un pourvoi public, qui c'est en Kazakh, qui fait un recours dans la Cour là, qui lui-même dit que, eh bien, M. Fritz William Michel était mal géré, au contraire, il y a des bagailles comme administrateur, il était jeune, il va joindre. Donc, je dis à lui, eh bien, fait pourvoi, lui contester arrêt ça. Eh bien, que dit la Cour des comptes? Que dit la loi sur la Cour des comptes? Il dit, eh bien, si il y a un individu qui fait un pouvoir de un arrêt que l'y rende, et que la Cour rende, eh bien, la Cour de cassation n'est pas suspensif. Mais si c'est un pouvoir public qui fait lui, il est suspensif. Donc ça veut dire que, eh bien, ce pouvoir il a été fait par un pouvoir public, il est suspensif. Mais la deuxième chose, c'est que la DGI, il constate que il y a un pouvoir qui fait, il faut requérir tout à la Cour des comptes. Pour lui dire que pouvoir ça, eh bien, lui bat argument parle, lui dit que pouvoir pas qu'un B, et que le demandé pour Cour des comptes là, lui trancher à cet effet. Donc, à partir de ce moment, le juge de l'erreur, c'est le juge de la Cour de cassation, il revient à la Cour de cassation de dire qui a raison. Est-ce le pouvoir public ou est-ce la DGI qui a fait recours pour M. Fritz William Michel? Donc, à partir de ce moment, eh bien, il faut un arrêt définitif de la Cour de cassation qui aura autorité de la chose définitivement jugée. Donc, nous avons comme document, premièrement, la requête du pouvoir public. Deuxièmement, la requête de la DGI qui contestait, eh bien, l'autre requête-là. Troisièmement, un certificat attestant que ce dossier se trouve au greffe de la Cour de cassation. Donc, le dossier étant complet, à partir de ce moment, eh bien, nous signifier, eh bien, président, que puisque le dossier, eh bien, est devant la Cour et que le pouvoir est suspensif, il peut organiser de séance puisque la décharge du Premier ministre, eh bien, n'est pas définitive. À part ça, nous ouais, et que Gagnon ou parlait de un dossier de corruption qui est arrivé concernant une question perdième pour délégation présidentielle qui devait participer dans la 74e session Assemblée générale des Nations Unies. Qui ça élément d'information qu'on gagne? Eh bien, dossier ça, eh bien, c'est un dossier de $348,000 américains. D'ailleurs, qui est débloqué en deux termes. En premier, côté que ministre Bouchit, en violation de la loi, l'est débloqué
directement sur le fonds des passeports 298 000 dollars américains pour le Palais national. Deuxièmement, il fait débloquer 60 000 dollars du consulat de New York, 298 plus, eh bien, 60 000, le SAA nous arrivait dans 358 000 dollars américains. Il débloquait comme ça pour le voyage du président. Délégation, il y a la donne 28 mounes. Il y a la donne 4 mounes de affaires étrangères, 6 advents du palais national et 18 mounes de la délégation, parmi lesquels président, première dame qui déjà parti depuis dimanche et président qui supposé parti mardi. Eh bien, 28 mounes ça yo, si nous calculons barème là, barème de perdième là, eh bien que nous devons ba yo, les a monté à 67 750 dollars. Donc, 348 000 dollars là, que ils ont débloqué illégalement, parce que les fonds du passeport ne peuvent être débloqués ainsi. Comme passeport, mais comment le débloquer? Comme passeport, le lit débloqué, eh bien, faut que ils ont voyé la DGI qui mettait la recette li et qui voyait la finance. Et c'est finance qui débloquait. La ministre Bouchit, on transfère direct de Kobla. Ça veut dire que ministre Bouchit tournait ministre des finances. C'est une affaire extrêmement grave. Et c'est peut-être ça nous dit que affaire passeport li aussi grave que Sophie Daï, li aussi grave que Dermalogue. Parce que ministre Bouchit prend habitude de septembre 2018 à septembre 2019, a fait décaissement sous un fonds qui appartenait à DGI et que DGI doit voyer notre trésor public. Donc, je dis à nous dit que non seulement il y a détournement de fonds de M. Bouchit, mais aussi nous gagnons, eh bien, 348 000 dollars qui dépensaient, alors que maximum comme qui était à dépenser, il n'y a pas dépensé 67 750 dollars, même là, nous avons arrondi, eh bien, comme là, pour tout le monde qui voit aller. Deuxièmement, tout seul. Où qu'on est le président pour les Nations Unies, il y a bali hôtel et il y a bali manger parce que c'est une invitation officielle des Nations Unies. Qu'on y a président lui-même là qui voit aller l'autre bois avec délégation, eh bien, nous pensons que déjà, toute question PSDM là, eh bien, président lui-même, il est supposé réduire parce que nous dit, dès que vous arrivez, vous gagnez hôtel manger, c'est 40% de PSDM là pour prendre et ceci pour tout le monde. Donc, non, c'est ça, encore une fois, mais un petit voyage que le président va le faire, qui pas représenter un rien, parce que le président va gagner, il va le dire, mais encore un acte de corruption. Mais encore un acte qui prouve que, monsieur, c'est Tony Aptan, n'importe qui s'est gagné, eh bien, pour y arriver, prêt comme l'État. Donc, sénateur Latatu, est-ce que c'est, en fait, bon, quand même, information, mais est-ce qu'on gagne des documents, l'amont sur le dossier, ça, par exemple? Bon, c'est pas même des documents, nous avons des aveux de responsables, des employés, que ce soit à l'ambassade ou également au ministère des Affaires étrangères. Nous n'avons jamais avancé des nous sans nous pas gagner, nous-mêmes des références pour que nous disent en abdia. Et actuellement, de septembre 2018 à septembre 2019, nous avons cherché tout document côté M. Bouchit, eh bien, il était décaissé comme sous fond ça de façon illégale, côté lui-même directement été ordonné, alors que vous connaissez que fond ça, il doit rentrer dans la DGI pour le comptabiliser au sein de recettes de la DGI, transférer au trésor public et que la réquisition doit être faite à travers le ministère des Finances. C'est ça qui est extrêmement important, que dans l'État, il y a des règles, dans l'État, il y a des procédures à suivre. Parce que si je dis à ou pas suivre, comment le ministre des Affaires étrangères, lui-même qui a joué le rôle ministre finance là, alors qu'il revient au ministère des Finances maintenant de faire le suivi des réquisitions et au comptable public, il y a même d'ordonner maintenant la sortie des textes. Donc moi, je pense que je dis à la question est extrêmement claire et nous arrivons dans une situation que moindre dépense que M. Sab fait, il a essayé d'enrichir au niveau de l'État, pendant que je dis à ou après que l'eau passe plus grave, même matelas, mon n'y a pas gagné, l'école va l'ouvrir, même un couche peinture, pas cabaye, et que des millions de gourdes, parce que souvent 358 000 dollars américains, libre environ 35 millions de gourdes,
côté que, eh bien, moi pense comme ça, dans pile situation, t'as aidé en pile monde jodia qui frappé soit par des inondations, je parle de Petit Gouave, en pile monde qui frappé, eh bien, par rentrer l'école là, côté que, y'a pas même qu'à ouvrir l'école nationale, yo, moi pense son situation extrêmement, eh bien, compliqué, en situation de corruption permanente qui gagne dans l'État, et je veux dire, c'est le ministère des Affaires étrangères que ça manifeste. Voilà, na, avant nous finir, sénateur Latortu, peut-être ou pas attendre le journal là, gagne yon citoyenne qui sorti Gonaïve, qui relé Alexis Charlotte, qui était adressé avant parce que li recevoir yon bal samedi 17 septembre passé à dans zone rue magasin de l'État, et que cartouche là toujours dans colis, c'est dans scène les presque les prend cartouche là, il gagne difficulté pour qu'elle était opéré l'hôpital général, il besoin l'hôpital pour le capable opérer, et il était adressé avec ou en direct là, donc m'pa connais soit tout par la clé parce que il en face non là. M'a tout parlé à lui pour premièrement m'a présenté sympathie à citoyen ça qui lui-même est bien victime de insécurité générale là. M'a pu profiter du guerrier, m'a voulu pas gagner équilibre. Premièrement, t'es gagné un directeur de l'école qui t'est venu là, qui t'est nommé un homme. Eh bien, nous répondons et nous demandons de passer dans le bureau nous, pour nous faire suivi. Eh bien, sur le cas au studio, moi, je pense que, m'a répondre. La seule chose, moi, je pense que nous en ordre et que nous avons simplement besoin d'adresse là, sous des capres ni points. Et puis, staff, consultant mieux à faire suivi avec elle. Eh bien, pour nous faire tout ça, nous devons faire parce que, premièrement, son vie humaine et que nous pensons dans un moment, eh bien, qui est en danger. Et comme on dit, la mort de l'homme, c'est la mort de l'homme. La mort d'un homme ou bien d'une femme, c'est la mort de l'homme. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour le contact qu'il a fait. Et dans la mesure du possible, eh bien, on a pour qui suivi pour nous.